leur pose ce qui est faux, mais vous avez 5 minutes de jour, je crois, quand vous aurez vos déplacements avec Bernard Herrero et lui au Pays de Galles avec l'équipe de France B. Il y a déjà trop longtemps dans les prescriptions, donc je ne sais pas si je ne reconnaîtrai pas. C'était un type, je crois, formidablement intelligent, merveilleux avant de te voir, comme tout le monde les aime, a su les aimer, Monsieur Jean Charles. Et je vois ça d'un peu loin, même si c'est pas très très loin. Et chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression de retrouver une famille. Hein. Donc ce qu'on a partagé sur le terrain et à côté, c'est très très fort. Je pense que beaucoup qui viennent de plus loin que moi le vivront dans le futur. Et apparemment, Joe Nicker sera un de ceux qui le vivra le plus fortement parce qu'il a été totalement adopté par tout le monde. Et moi qui n'ai pas la chance et l'occasion de venir à Mayol très souvent, j'ai quand même pas mal d'informations qui viennent jusqu'à moi, hein, qui parlent de rugby en général et surtout de jeu. Et depuis le début de la saison, malgré les résultats contrastés, malgré l'atmosphère qui était un peu dans le doute pendant longtemps, le seul où tous les échos étaient unanimes depuis le début de la saison, c'était Joël Nicker. Donc je crois que bravo et les images ont parlé. J'ai rien d'autre à dire.